Voilà, chères téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre numéro de Politis. Mon invité ce soir est Son Excellence Monsieur Cheikh Ahmed Oul Zahaf, ancien ministre, ancien diplomate, ancien ambassadeur. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous débattrons ce soir d'un sujet important, à savoir le rôle du département des affaires islamiques dans l'éradication des séquelles de l'esclavage. Mais avant de passer aux questions-réponses, suivons ce reportage. Le seul moyen d'atteindre les grands objectifs, c'est d'aller au plus vite et au-delà des vœux pieux, franchir les étapes souvent délicates qui s'imposent dans le but de leur réalisation. C'est ce qu'ont décidé de faire les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte pour l'éradication des séquelles de l'esclavage. En initiant un colloque scientifique à ce sujet sensible, dont l'objet est, selon le Premier ministre qui l'a présidé et qui constitue pour lui, en parenthèse, sa première sortie officielle depuis sa prise de fonction. Une contribution donc, selon lui, importante du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour circonscrire le phénomène. En effet, c'est tôt dans la matinée, spontanément, que bon nombre de nos oulémas, imams, certains ministres et membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie et autres notabilités ont répondu à l'appel du dit ministère pour ce colloque entre érudits, autorités religieuses et administratives, militants des droits humains et religieux, afin d'asseoir les bases en vue de formaliser une législation préventive, protectrice, voire répressive à l'encontre des comportements esclavagistes. D'emblée, le discours introductif du ministre des Affaires islamiques dresse le contexte, fait l'historique, balaye les équivoques et lève tous les amalgames que d'aucuns se plaisent encore à entretenir de nos jours. L'esclavage est un comportement ignoble, hérité de l'ère anti-islamique, un obscurantisme issu du comportement humain que la lumière de l'islam est venue mettre au grand jour comme étant une malfaisance, la décrier et la proscrire. Point de tergiversation dessus donc, et de prendre pour preuve des paroles incréées du Tout-Puissant consignées dans le livre saint et lumineux. Et je cite: À toute l'humanité, nous avons créé des sexes différents et avons fait de vous des populations, des tribus, afin que vous vous connaissiez. Le plus noble parmi vous est pour moi le plus pieux. Ajoutez à cela un hadith qui ne permet pas d'équivoque, venant du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui disait: Un arabe n'est pas plus digne qu'un perse et vice-versa. Que par la piété. C'est la piété qui donne la dignité. Celui qui n'a pas eu la piété par son travail ne l'aura pas par sa noblesse. Une icône nationale de la théologie en général et du livre saint en particulier ne dit pas le contraire et soutient plutôt que c'est un comportement culturel blâmable pérennisé par nos prédécesseurs qui est en train d'être banni. Pas sous l'effet de lobbies extérieurs comme on a tendance à le croire, mais plutôt par l'effort entrepris par les oulémas. Je rappelle ici que l'abolition de l'esclavage n'est pas des résultats donnés par les autres. Au contraire, ce sont des résultats donnés par les savants et l'administration de la Mauritanie. C'est inspiré de nos textes islamiques, inspiré de nos oulémas. Et les témoignages que vous trouvez aujourd'hui, les grands ulama avec le gouvernement pour donner les objectifs, les causes et les remèdes. Il nous parle de sa contribution personnelle à ce colloque scientifique. Moi, j'ai une participation chez les foyers d'esclavage, pauvreté, ignorance. Et je vais, Inch'Allah, vous donner beaucoup d'idées et donner même des propositions pour organiser et trouver des remèdes pour corriger l'esclavage ou les séquelles d'esclavage. Et je rappelle ici que la Mauritanie n'a plus de... On a parfois l'impression que les victimes du phénomène sont eux-mêmes complices de leur situation et de leur sort. Explication.
il y a des séquelles. Séquelles posées par la pauvreté et l'ignorance. Et on va, Inch'Allah, proposer et donner des remèdes pour corriger ces séquelles. Revenons au droit moderne par la voix d'un éminent défenseur des droits humains, avocat de son État et lui-même descendant des castes serviles et affranchies, nous dépeint le tableau des idées reçues à ce sujet, des stéréotypes et des complexes stigmatisants. Pour lui, il faut aller de l'avant, car il y a eu de l'évolution. On l'écoute. Aujourd'hui, je ne dirais pas que ça n'existe plus, mais je sais que quand même, c'est vraiment d'une importance moindre. Plutôt aujourd'hui, si on aura à parler des choses, on devait parler des nouvelles formes de l'esclavage. Et c'est ça que normalement on doit être interpellé. Voyez-vous, parce que la forme classique, elle a vraiment, j'estime qu'elle a disparu avec le temps. Mais la nouvelle forme, c'est elle qui fait ordre du jour actuellement. Cette nouvelle forme, elle se traduit dans les séquelles, c'est la pauvreté. C'est la dépendance, c'est la oisiveté, c'est la marginalisation, tout ça. Notons pour clore ce dossier que la journée de travail de ce jour s'est articulée sur deux thèmes. Premièrement, le rôle des oulémas et imams dans l'éradication des séquelles de l'esclavage. Et deuxièmement, islam, religion des libertés et d'égalité, qui ont été exposés par les éminents professeurs Isselmou Sidel Mustafa et Esmane Oulcheikh Ebou El Mali. Fafana Issa, monsieur le ministre, comment jugez-vous l'organisation par le département en charge des affaires islamiques d'un colloque consacré à la lutte contre les séquelles de l'esclavage? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala Nabi Karim. D'abord, Sid Ahmed, permettez-moi de vous remercier pour m'avoir convié à votre brillante émission. Merci. Et je voudrais d'abord dire, en réponse à votre question, que l'organisation de ce colloque est d'une très grande importance. En ce sens où c'est pour la première fois dans l'histoire de la Mauritanie que les oulamas, les imams, les hommes de religion se réunissent pour se prononcer ouvertement et clairement sur cette question de l'esclavage. Moi, j'estime que c'est éminemment historique et nous avons assisté depuis hier, effectivement, à un événement historique. Le caractère historique de cet événement réside dans plusieurs aspects, à mon sens. Le premier aspect, c'est le rapport suivant une certaine interprétation qu'il y a entre la religion et l'esclavage. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, aussi bien les esclaves que les maîtres avaient considéré que c'est la religion qui justifie l'esclavagisme. Vous avez certainement entendu parler de beaucoup de choses sur cette relation-là. Absolument. Et moi, je me limiterai à une seule chose. C'est quand on dit « Jannatul abdi tahta aqdami sayyidi ». C'est-à-dire qu'on fait comprendre à l'esclave qui ne peut pas accéder au paradis que sur la base de la soumission, de l'obéissance de son maître. Donc moi, je crois que cette interprétation par la force des choses, depuis hier et de façon ouverte, à sauter. Ce qui est extrêmement important pour les esclaves eux-mêmes, pour les anciens esclaves, pour les maîtres, et ce qui constitue un message très clair aujourd'hui que l'esclavagisme est un anachronisme dont la société mauritanienne, dans son évolution, ne peut plus, de toutes les façons, s'accommoder. Le deuxième aspect, c'est que cette initiative-là a été prise par les pouvoirs publics.
par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par le département en charge des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Donc c'est symbolique à plus d'un titre. C'est-à-dire que l'État, à travers l'organe ou à travers le département qui a en charge la vulgarisation de la religion, qui a en charge l'enseignement originel, qui a en charge l'éducation religieuse, a pris l'initiative de dire aujourd'hui à tous les Mauritaniens que désormais, l'interprétation qui était là n'est plus valable et que de toutes les façons, il faudrait bien que l'on comprenne que historiquement, l'esclavage tel qu'il a été pratiqué en Mauritanie n'est pas conforme à la charia et n'est pas conforme à la religion musulmane. Le troisième aspect, c'est que cela traduit une prise de conscience chez les pouvoirs publics, chez la société de façon générale, avec l'ensemble de ses segments, société civile, pouvoir public, etc., que désormais, il faudrait se départir donc de cette tare. Bon, maintenant, comment le faire et quelles sont encore les manifestations de cet art? Je pense que ça, c'est un autre débat qui va peut-être suivre celui-là, mais celui-là, en tout cas, est essentiel et déterminant dans la conduite de tout un chacun parmi les Mauritaniens aujourd'hui. Aussi bien ceux qui prétendent ou qui prétendaient être des maîtres d'esclaves, et ceux également qui ont vécu dans leur chair, dans leur âme, dans leur sang, cette pratique abjecte moyenâgeuse. Et je pense que cela est extrêmement important. Mais il faudrait qu'il y ait l'accompagnement général de l'ensemble des forces politiques, de l'ensemble des organisations de la société civile, pour que cette volonté politique qui est aujourd'hui manifeste puisse être traduite dans des actes réels en termes de stratégie sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan culturel, pour effectivement permettre une véritable mise à niveau de la frange haratine qui a subi donc ces pratiques-là. Très bien. Monsieur le ministre, concernant les accompagnements que vous venez de citer, je me rebondis un peu sur votre intervention. Concernant les accompagnements que vous avez préconisés, que préconisez-vous exactement? Moi, j'estime que il y a deux conditions fondamentales. Parce que, ou avant de parler de conditions fondamentales, tout dépend de l'approche. Vous voyez, il y a une approche nationale, patriotique, citoyenne, unitaire, et il y a des approches séparatistes, sectaires, particularistes, si je peux les qualifier ainsi. L'approche globale, citoyenne, patriotique et unitaire, c'est une approche qui sous-tend deux facteurs fondamentaux. Le premier facteur, c'est le développement économique et social. On ne peut pas venir à bout à tous les maux que notre société est en train de vivre sans le développement économique et social. Le deuxième facteur, c'est la consolidation, l'édification continue de l'état de droit. Maintenant, dans ces deux facteurs réunis,
je pense qu'il faut s'atteler à l'élaboration d'une stratégie spécifique du traitement des séquelles de l'esclavage. Et cette stratégie-là, elle doit être d'abord une stratégie objective, c'est-à-dire une stratégie qui permet effectivement aux anciens esclaves, qui permet aux milieux dans lesquels se retrouvent ou se sont retrouvées les pratiques esclavagistes, permettre à ces citoyens d'ajouter une valeur ou d'ajouter une valeur ou d'avoir une valeur ajoutée dans les activités économiques que ces populations pratiquent. Également, cela doit être accompagné par un effort particulier, un effort vraiment soutenu en termes d'éducation, en termes de vulgarisation, en termes de participation sociopolitique, permettant à ces populations de s'approprier les projets, les programmes que l'État est censé initier en leur faveur. Je crois qu'en l'absence donc de cette vulgarisation, de ce travail de communication, de la présence d'une prise de conscience permettant à ces populations de s'approprier donc toutes les mesures ou toutes les réformes qui vont être initiées dans ce cadre, je crois que tout cela ne servira tout simplement qu'au discours. Et il y aura d'ailleurs un retournement. C'est-à-dire, en fait, si ces politiques-là ne réussissent pas, il y aura un retournement. Ça va ouvrir la porte à beaucoup d'interprétations. Qu'on est en train de saboter ces gens parce qu'ils sont tels, que cela n'a pas été un succès parce qu'on a mis tel, parce que cela n'a pas abouti parce qu'en fait, il n'y a pas derrière une véritable volonté politique. Donc, moi, je pense que le traitement de cette question doit être fait dans le cadre d'une stratégie spécifique et une stratégie qui est fondée sur la discrimination positive. Également, cette question-là doit être transversale à toutes les politiques de l'État, que ce soit dans le domaine de la pêche, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine des mines, dans tous les domaines, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la professionnalisation, etc. Donc je pense qu'il faut consolider l'acquis de l'état de droit avec ce qu'il sous-tend comme liberté collective et individuelle. Il faut traduire dans les faits une véritable politique de développement économique et social. Et il faut, de façon singulière, envisager les séquelles de l'esclavage dans le cadre d'une stratégie spécifique qui va traiter tous les aspects des séquelles de l'esclavage, dans leur dimension économique, dans leur dimension sociale, dans leur dimension éducative et dans leur dimension même de prise de conscience. Parce que vous savez, le poids de cette pratique sur certaines populations, sur les populations qui ont subi l'esclavage, est quand même un poids très important. Et les séquelles de l'esclavage sont là. Ils sont là. Il suffit de se balader à Tevrazine pour se rendre compte qu'ils sont là. Il suffit d'aller dans les murs pour se rendre qu'ils sont là. Il suffit d'aller dans les quartiers populaires pour se rendre que les séquelles de l'esclavage sont là. Très bien. Il suffit d'aller dans le rural pour se rendre compte que les séquelles de l'esclavage sont là et sont de plus en plus cruelles. Que tout ce qu'on en dit ne traduit pas, ne rend pas compte suffisamment de leur poids et de leur influence sur ces populations-là. Oui. Tant au plan économique
sociale et psychologique. Excusez-moi, monsieur le ministre, je vous interromps un peu. Mais là, on parle des séquelles, de l'éradication des séquelles de l'esclavage. Mais il y a des gens, ici et actuellement, qui disent qu'il y a toujours de l'esclavage en Mauritanie. Que lui répondez-vous ? Bon, écoutez, ça c'est un vieux débat. C'est un vieux débat. Et ce débat-là résulte de la forte politisation de la question de l'esclavage en Mauritanie. Parce qu'en fait, il y en a certains qui pensent qu'on est encore en présence des pratiques esclavagistes primitives, c'est-à-dire au sens de l'appropriation de l'homme, l'appropriation des hommes par des hommes. Par des hommes. Et l'exploitation d'autres. Et toute l'exploitation qui en résulte. Moi, je suis de ceux qui pensent que la société mauritanienne a connu l'esclavage, mais qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ont conduit à un développement, à une évolution qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est dominant, c'est en fait les séquelles de l'esclavage. Et attention, les séquelles de l'esclavage sont pires, parfois plus dangereuses que les pratiques esclavagistes. Je ne pense pas aujourd'hui que sur le territoire mauritanien, qu'il y ait des personnes qui s'approprient de force, c'est-à-dire par la force d'autres personnes. S'il existe des cas, c'est vraiment des cas qui sont c'est des cas de consentement. Bien. Ou c'est des cas d'intérêt. Vous voyez. Donc par intérêt, je ne peux pas me départir du fils ou de la fille de mon esclave. Lui, il comprend, il a la possibilité de se libérer, mais il ne veut pas le faire, il ne peut pas le faire parce qu'il ne sait pas là où aller. Et là se pose la question de la réinsertion. La question de la réinsertion, d'où d'ailleurs la nécessité de ces programmes-là en termes d'éducation, en termes de professionnalisation qui permettent aux gens qui permettent d'autonomiser, de rendre ces personnes-là autonomes par rapport à leur conscience, par rapport à leur vie et par rapport aux moyens qui leur permettent de vivre. En fait, aujourd'hui, si on vous dit pratique esclavagiste, on va beaucoup fouiller pour trouver des cas de pratique esclavagiste. Mais les séquelles de l'esclavage, on n'a pas besoin d'aller loin. Ouais. Il suffit de sortir d'ici pour voir le nombre de hangars, le nombre de murs dans lesquels habitent les anciens esclaves ou les fils des anciens esclaves, pour se rendre compte qu'il s'agit là d'un phénomène qui est là et qui constitue effectivement une entorse donc à la vie de cette société. De telle sorte que par la force des choses, on est en présence de deux sortes de citoyens. On est en présence d'un citoyen de première zone et un citoyen de seconde zone. Le citoyen de première zone, c'est celui qui habite dans les villas, c'est celui qui a des voitures, c'est celui qui a la possibilité d'envoyer ses enfants à l'école privée. Par contre, le citoyen de seconde zone, c'est lui qui n'a pas, qui vit pour, qui fait de la survie. Qui fait de la survie, qui ne pense même pas à éduquer ses enfants parce qu'il les utilise dans le rural. Il les utilise comme force de travail pour vivre. D'où d'ailleurs la nécessité justement d'envisager une action de sensibilisation, une action de mobilisation en direction des parents, des enfants, des anciens esclaves. Parce qu'en fait, sans cet effort-là de mobilisation, sans cet effort de conscientisation, sans cet effort donc de prise de conscience, également, les enfants des anciens esclaves risquent de retomber encore une fois dans les conditions et dans dans la situation dans laquelle se trouvent leurs parents. Donc il y a lieu d'aller au travail directement. Il y a lieu d'aller au travail directement.
il y a lieu d'aller au travail directement. Moi, je pense qu'il est possible d'aller au travail directement. Parce qu'il y a aujourd'hui une volonté politique manifeste chez les pouvoirs publics, chez le président de la République, chez le gouvernement, une prise de conscience, donc de la nécessité de transcender cette table. Et je pense qu'au niveau de la société civile, comme au niveau des partis politiques, c'est exactement aussi la même chose. Maintenant, il y a parfois, on dépasse parfois les bornes. Bon, moi, je ne prétends pas détenir la vérité par rapport à cette question, mais ce que je vous exprime, c'est mon point de vue, et j'avoue que je me suis intéressé à cette question depuis très longtemps, depuis que j'étais élève au collège, et donc j'estime que, suivant mon analyse, qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ont conduit à une évolution de la société. Et le facteur principal, c'est un facteur géoclimatique. C'est le facteur qui est lié à la sécheresse. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucun mouvement politique, il n'y a aucun parti politique, il n'y a aucune organisation qui peut prétendre avoir libéré les esclaves de Mauritanie. Je pense que la sécheresse cyclique qui s'est abattue sur la Mauritanie à plusieurs reprises a participé à la destruction du système, de la structure qui entretenait l'esclavage comme pratique. Parce qu'en fait, la dernière évolution en la matière était l'exode rural qui a été consécutif à la sécheresse de la fin des années 60 et du début des années 70. Parce qu'on a vu ici aussi bien des anciens maîtres que des anciens esclaves qui sont venus dans les centres urbains, qui sont venus à Nouakchott, à Ouagadougou, dans les grandes villes, chercher du travail, chercher à scolariser leurs enfants, ou chercher une substitution à l'activité agricole qu'ils pratiquaient dans le rural et dont ils n'avaient plus la possibilité de continuer parce que, tout simplement, les conditions géoclimatiques et la sécheresse a imposé tout à fait le contraire. C'est-à-dire la sécheresse a le second facteur, les esclaves. La sécheresse a contribué largement à détruire la structure, à désagréger la structure sociétale qui entretenait l'esclavage. Parce que les esclaves étaient utilisés dans quoi? Dans quelle activité ils étaient utilisés? Les esclaves étaient utilisés dans l'élevage. L'agriculture. Étaient utilisés dans l'agriculture. Puisqu'il y a avec la sécheresse, il y a de grands déficits pluviométriques. Donc l'activité agricole, l'activité d'élevage n'était plus possible. Et donc il fallait que les hommes, et ça c'est le propre des hommes, la capacité d'adaptation, donc de trouver les moyens de substitution, à ces activités-là qui étaient pratiquées dans un esclavage primaire. C'est-à-dire que l'esclave qui s'occupait du bétail, l'esclave qui s'occupait des champs, n'avait aucune possibilité d'être rémunéré, n'avait aucune possibilité d'être propriétaire du cheptel qu'il élevait. Il n'avait pas la possibilité d'être propriétaire du terrain qu'il cultivait. Et donc, par conséquent, donc, avec cette sécheresse, avec cet exode, je crois que la sécheresse a été le facteur historiquement déterminant en Mauritanie. La libération de quelques... Il y a d'autres facteurs. Bon, il y a... La sécheresse aussi a coïncidé avec un autre facteur, c'est la prise de conscience politique dans le pays, avec la prolifération des mouvements de gauche, avec la prolifération des nouvelles idées, avec l'ouverture de la Mauritanie à un nouveau monde, etc. Avec les idées qu'on a commencé à recevoir de partout,
de l'Occident, de l'Orient, etc. Donc, et l'aspiration à une société moderne. Je vais vous interrompre. Quel rôle a joué le mouvement Al-Hur à l'époque? Donc, vous étiez membre, non? Moi, je n'ai jamais été du mouvement Al-Hur. Je vous apprends. Voilà. Je n'ai jamais été du mouvement Al-Hur. Moi, j'ai été dans notre mouvement qui s'appelle le MND, justement. Mais j'ai été du MND à partir du milieu des années 70 ou de la fin des années 70, alors que j'étais encore très jeune. Et effectivement, tous les mouvements d'ailleurs, aussi bien le MND que le mouvement El Hor, que même les mouvements nationalistes arabes, ont contribué à effectivement cette prise de conscience. Encore que tous ces mouvements n'ont pas pris en charge la question de l'esclavage dans ses spécificités mauritaniennes. Parce que cette question a connu une évolution du point de vue de la façon de la poser. Dans un premier temps, elle a été posée comme étant une question de justice sociale. Aujourd'hui, elle est posée autrement. Elle n'est pas posée en termes de questions de justice sociale, mais elle est posée en termes de composantes, en termes de composantes à part entière qui revendiquent sa part des richesses du pays, du pouvoir politique et de la participation dans la vie active. Et là, le mal ne réside pas dans cela. Le mal réside dans le fait qu'on pose cela, mais qu'on le pose en dehors de la citoyenneté, qu'on le pose en dehors de l'appartenance à une seule et unique nation, indivisible, et on ne le pose pas dans la perspective, dans une perspective unitaire. C'est ça le danger. Et d'ailleurs, c'est ça le danger que présentent tous les particularismes, qu'ils soient tous les particularismes tels que nous les connaissons dans notre pays. Vous voyez? Oui. Monsieur le ministre, quelles sont selon vous les mesures que les pouvoirs publics doivent prendre pour éradiquer définitivement ces séquelles d'esclavage en Mauritanie? Moi, je pense que les pouvoirs politiques, et je pense qu'ils commencent déjà à s'y atteler, et je pense que ces pouvoirs n'ont pas le choix que de s'y atteler. Bien sûr. Parce que, étant donné que c'est un problème qui est là, et parce qu'il s'agit des pouvoirs publics en plus, je pense que le seul remède, comme j'ai à vous le dire, c'est une stratégie spécifique du traitement des séquelles de l'esclavage, dans leur dimension économique, dans leur dimension sociale, leur dimension éducative et leur dimension culturelle, du point de vue de la mentalité ambiante, du point de vue de l'idéologie qui sous-tend l'esclavagisme, du point de vue de la lutte contre le mépris, la marginalisation, l'exclusion que les haratines ont subi et qu'ils continuent malheureusement à subir au plan de la société. Je ne parle pas au plan des pouvoirs publics, mais au niveau de la société, avec naturellement ce que la société répercute au niveau des structures de l'État, naturellement. Donc, il y a donc ces inégalités. Et il y a donc, parce que chacun a son lot parmi les haratines, chacun a subi les misères qu'il a subies, quelle que soit la position où il se trouve, qu'il soit dans les champs, qu'il soit dans les chantiers, qu'il soit dans l'administration, qu'il soit dans... Et cela résulte en fait de cet héritage esclavagiste que la société, naturellement, a hérité de son passé et qui continue à peser lourd sur ceux dont les parents ont subi donc l'esclavagisme et ou qui ont été par le passé soumis. Bien, mais il y a lieu d'abord
je crois, de passer à la lutte contre l'analphabétisme, à la lutte contre la pauvreté, la marginalisation. Pratiquement, si l'État s'attelle à jouer un rôle prépondérant dans ces trois vecteurs, soit l'analphabétisme, l'exclusion, la pauvreté, je crois que les séquelles du Bon, Sid Ahmed, je ne suis pas rentré dans les détails. Et d'ailleurs, je ne suis pas à mesure de rentrer dans les détails. Je peux avoir des bribes de propositions sur les... Mais quand on dit éradiquer les séquelles de l'esclavage, il y a lieu quand même de passer à l'acte. Je peux avoir des propositions nébuleuses sur ce qu'il convient d'entreprendre sur tel ou tel plan, peut-être. Mais je pense que si vraiment on s'y attelle dans le cadre d'une stratégie globale de traitement des séquelles de l'esclavage, moi je crois qu'il faut fournir trois niveaux. Le premier niveau, comme j'ai à le dire, c'est une approche de développement socio-économique du pays, de façon générale. Parce que vous ne pouvez pas développer les haratines ou les anciens esclaves à part et laisser le, et laisser le reste du pays. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui vivent dans un lot de prospérité et autour, il y a des pauvres. Donc, il faut une approche globale de développement socio-économique. Ensuite, il faut la consolidation de l'état de droit. Parce qu'on a besoin... Parce que les anciens esclaves ou les fils des anciens esclaves, si aujourd'hui le tribalisme, le népotisme continue à être une règle dans l'emploi, une règle dans les nominations, une règle dans les prêts bancaires, une règle dans la petite et moyenne entreprise, etc. Naturellement, les haratines ne vont pas en tirer profit. Pas du tout. Vous voyez. Donc, c'est clair que effectivement, il faut permettre une citoyenneté entière qui permet à tout un chacun d'accéder à ses droits, abstraction faite de son appartenance ethnique, catégorielle ou régional ou autre. Vous voyez. Donc, je crois qu'il faut d'abord l'état de droit, de mon point de vue, et de ce côté. De ce côté également, les garanties qu'il faudrait continuer à faire pour les libertés individuelles et collectives, pour permettre aux gens de pouvoir s'exprimer, pour permettre aux gens de pouvoir s'associer, pour permettre aux gens d'entreprendre des initiatives privées. Je crois que c'est fondamental. Donc, par exemple, donc vous avez d'une part une approche de développement socio-économique, mais une approche qui, dans tous les secteurs, fait de la question de l'esclavage une question transversale. C'est-à-dire qu'il faut que cette question soit présente à tous les niveaux, d'abord de la conception, ensuite de l'exécution, et ensuite du suivi et de l'évaluation. Bon, vous voyez, sur le plan, par exemple, éducatif, bon, je peux faire une proposition, c'est-à-dire qu'il faut créer des zones d'éducation prioritaire. Qu'est-ce que j'entends par zone d'éducation prioritaire? Des zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire qu'il faudrait, dans les adouabas, dans le rural où on a connu les pratiques esclavagistes, il faut fixer une nouvelle critologie de l'ouverture des écoles. Si au niveau de l'éducation, on ouvre une école avec un effectif de 20 élèves, par exemple, il faudra permettre dans ces milieux d'ouvrir une école, une classe de première année du fondamental à 10 élèves. Il faut, dans chaque école de plus de 3 classes ou de 4 classes, ouvrir une cantine scolaire.
il nous faut, dans ce milieu-là, accentuer la vulgarisation agricole pour permettre aux parents de pouvoir s'adonner aux pratiques de l'élevage et de l'agriculture sans utiliser leurs enfants comme force de travail, justement. Et pour permettre à terme à leurs enfants de pouvoir continuer leur scolarisation et de pouvoir s'épanouir au plan de leur formation et éventuellement les apprêter à assumer des responsabilités publiques et privées à l'échelle nationale. Très bien. Vous voyez, je peux, dans le cadre justement du colloque, j'allais peut-être le proposer dans mon intervention d'aujourd'hui, ma contribution d'aujourd'hui. Il faut que chaque maître de Mahadra s'assigne comme objectif qu'il recrute parmi les élèves au moins 30% d'enfants d'anciens esclaves. Donc il faut un certain volontarisme, vous voyez. Donc sans lequel, naturellement, on ne peut pas traduire dans les faits notre prise de conscience aujourd'hui par rapport à cette question, et on ne peut pas également traduire cette prise de conscience dans des actes qui auront effectivement des résultats concrets, des résultats palpables qui se répercutent directement sur la vie de ces populations-là, des populations cibles. Vous voyez ? Donc, et puis, une stratégie de ce genre, c'est une stratégie qui ne peut pas être élaborée. Bon, c'est une politique, mais pour traduire cette politique, pour l'élaborer, il faut faire appel à une équipe pluridisciplinaire, il faut faire appel à des juristes, il faut faire appel à des économistes, il faut faire appel à des financiers, à des spécialistes de la microfinance, à des spécialistes de l'agriculture, à des spécialistes de la vulgarisation, etc. Vous voyez. Ensuite, je crois qu'il y a un autre facteur, une autre proposition, c'est les infrastructures. Les infrastructures, par exemple, les routes. Si vous envoyez un enseignant, par exemple, à l'Ouissi, dans le département de Barkewel, ou dans un village environnant, du côté de Barkewel, à Guiller ou quelque part, dans des contrées que moi je connais, ou si vous envoyez un enseignant à quelque part... Le triangle de la pauvreté. S'il n'y a pas de route qui mène vers ce village, l'enseignant ne peut pas rester. C'est vrai. La sage-femme ne peut pas rester. Elle doit être dans de bonnes la conditions. La sage-femme, pour assurer un accouchement normal des femmes, elle ne peut pas rester. L'agent de vulgarisation agricole, il ne peut pas rester. Parce qu'il ne peut pas recevoir son salaire. S'il n'y a pas de route, il ne peut pas recevoir son salaire. Vous voyez. S'il n'y a pas de route, l'enseignant ne peut pas recevoir son salaire pour vivre. Vous voyez. Ensuite, la route permet l'écoulement de beaucoup de produits vers ces contrées-là. Vous voyez. Donc, dans ces contrées-là, il n'y a pas beaucoup de moyens pour vivre là. Vous voyez. Et donc, les routes, les infrastructures sont très importantes. L'eau, les addictions d'eau, l'eau potable, c'est extrêmement important. Il y a des zones, par exemple, où ce qui accable les populations, ce n'est pas seulement l'ignorance et la pauvreté qui sont consécutives au passé esclavagiste. Mais il y a aussi le ver de Guinée. À un certain moment, il y a le ver de Guinée. Donc, si vous ne fournissez pas l'eau potable, ces populations-là, elles ne peuvent pas être actives.
Écoutez, monsieur le ministre, moi je vous dis que oui. C'est un travail de titan. Non, c'est un c'est oui. Effectivement, c'est oui. Un travail de titan. En tout cas, moi, je fais confiance à nos pouvoirs publics, je fais confiance à toute notre, à l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent donc traduire dans les faits, aller vers l'essentiel. C'est-à-dire, voilà. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas le fait d'exploiter le fait qu'il y a l'esclavage ici et là, que, est-ce que, ou de se focaliser sur ces débats, mmh. Oui, il y a encore des pratiques esclavagistes, ouais. C'est pour justifier que l'on prenne des positions très extrémistes, très particularistes par rapport à tel, qui, à la limite, peut-être on ne s'en rend pas compte, qui risque même de dresser les populations les unes contre les autres, qui risque même de compromettre la cohésion sociale, qui risque même de compromettre la quiétude sociale. Bon, ensuite, notre société, c'est une société qui doit s'assumer correctement. Il est vrai, on a connu l'esclavage. L'esclavage est une pratique abjecte, est une pratique moyenâgeuse, est une pratique inhumaine. Elle est en déphasage avec toutes les valeurs universelles de ce monde, en particulier les droits de l'homme, la promotion et la protection des droits de l'homme. Ouais. Mais notre société a connu ça. Le mal réside dans le fait qu'on s'en rend compte, on est conscient qu'on a connu cela, que les séquelles de ces pratiques-là sont là, mais qu'on ne les traite pas. Pour les éradiquer, pour perpétuer davantage donc la soumission sous d'autres formes. Parce que, vous savez, il y a l'esclavage, mais dans les Nations Unies, on parle des formes contemporaines de l'esclavage. Ah, très bien, monsieur le ministre. On parle des formes contemporaines de l'esclavage. Je fais un rebond sur votre... lors de votre intervention aujourd'hui au colloque, vous avez parlé d'une accusation étrangère, qu'il y a des pratiques esclavagistes en Mauritanie. Vous avez répondu à cette question. Oui, bon, moi... De quoi s'agit-il? Écoutez, j'étais représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, mm-hmm. et j'ai fait face, tout le temps où j'étais resté là, parce que je suis le représentant de la Mauritanie, mais parce que la Mauritanie aussi, mon pays, était membre du Conseil, du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Donc j'étais appelé à négocier avec d'autres groupes régionaux des résolutions. Je prenais position et ceux qui pensaient que je prenais des positions qui ne leur sont pas favorables essaient de faire des pressions sur moi à travers des accusations de la Mauritanie, en plus du fait que, sur certaines thématiques, la Mauritanie, de toutes les façons, continue à être attaquée, sur l'esclavage, justement, et sur l'apostasie, vous voyez. Et donc... à chaque fois, naturellement, ça c'est mon travail de représentant de mon pays. Donc à chaque fois, où une organisation. Et généralement... Oui. Mais qu'en était-il exactement? Mais c'est de multiples cas. À l'occasion de chaque session du Conseil des droits de l'homme, il y a d'une part l'agenda de la session, l'agenda officiel, mais il y a ce qu'on appelle les événements parallèles. Il y a une multitude de panels qui sont organisés par des organisations des droits de l'homme, par des ONG, et auxquelles ils invitent donc tout le monde. Ils invitent les missions diplomatiques, ils invitent les autres organisations, ils invitent. Vous voyez, et la Mauritanie, à chaque fois, elle fait l'objet d'accusations d'esclavagisme. Etc. Et mon devoir, et c'était mon devoir à chaque fois était de faire prévaloir mon droit de réponse et de répondre aux accusations qui étaient adressées à mon pays. Vous voyez, et aujourd'hui, effectivement, j'ai attiré l'attention des oulamas et des imams qui étaient là, j'ai attiré leur attention sur des aspects sur lesquels
on attaque la Mauritanie. C'est-à-dire, surtout, des aspects qui sont liés à ce rapport qu'il y a, qu'on prétend, suivant une certaine interprétation, qu'il y a entre, d'une part, l'esclavage, les pratiques esclavagistes, et la religion. Il y a une organisation qui avait dit que le système esclavagiste en Mauritanie est entretenu par les imams. Ah, oui, voilà. Par les imams. Par les imams et par les hommes de religion. Ce qu'ils appellent les clergés musulmans. Vous voyez. Et que la justice, que les esclaves ne peuvent pas faire recours à la justice parce que la justice est également est une justice dont les tribunaux sont dirigés par des hommes de religion, des magistrats islamiques qui ne travaillent pas avec le droit moderne, ils travaillent avec la charia. Et que la charia permet, justement, autorise l'esclavage. C'est le contraire, non? C'est tout à fait le contraire. Ah, voilà. C'est ce que j'ai dit dans ma réponse. C'est ce que j'ai dit dans ma réponse à cette organisation. Donc, j'avais trouvé opportun de restituer aux participants au colloque donc ces accusations. C'est pour leur permettre d'être suffisamment imbus de l'enjeu. De l'enjeu et partant de la nécessité pour nous, pour notre pays, de dépasser également cet art. Vous voyez, de dépasser donc les séquelles de l'esclavage, de les éradiquer, de les traiter correctement. Parce que sinon, on risque d'être toujours, on risque de ne pas être à l'abri des attaques des autres. Vous voyez. Bon, naturellement, il y a de la propagande politicienne dans tout ça, et il y a également le fait qu'il y a certains milieux au plan international, okay. En particulier les milieux juifs qui sont là pour les organisations proches des milieux juifs qui sont là pour attaquer tout ce qui est islam, tout ce qui est sharia, tout ce qui est, vous voyez. Et dans le cadre de la géopolitique aussi, par pays, on sait ce qu'il faut. Ils savent sur telle ou telle thématique, où il faut attaquer tel ou tel pays. Très bien. Donc, Monsieur le ministre, revenons un peu au colloque. L'organisation de ce colloque, selon vous, relève-t-il de la prise de conscience des pouvoirs publics, de la gravité de la situation de l'esclavagisme dans notre pays ? Ou de la pression des partis politiques et des acteurs de la société civile? Bon, moi, je pense que, effectivement, il y a depuis un certain temps une très grande agitation autour de ces thématiques, en particulier autour des questions de l'esclavage. Il y a des organisations qui sont là, qui chacune tient un discours à partir de son propre podium, sur ce phénomène. Bon, on peut penser ce qu'on veut, mais ces organisations, en tout cas, elles sont là, elles existent, elles font de la propagande, elles tiennent un certain discours, et certainement, elles ont des répondants aussi dans l'opinion, vous voyez. Et il y a certains partis politiques, effectivement, en particulier les partis de l'opposition, qui sont portés à critiquer le pouvoir politique sur n'importe quel tableau, vous voyez. Et donc, c'est de bonne guerre. Et certains partis politiques ont même abrité, parfois, des éléments, ont même levé des discours qui sont en déphasage par rapport à leur propre idéologie et par rapport à leur propre vue. Par rapport à leur propre projet ou ce qui est censé être leur projet. Je sais que cela participe donc à la prise de conscience générale de ce phénomène-là. Et cela participe au fait que les pouvoirs publics aussi sont censés traiter tout ce que reflète
reflète l'opinion. Mais j'estime aussi que les pouvoirs politiques sont composés d'éléments de la société. Les pouvoirs publics sont dirigés par une majorité présidentielle. Il y a un président qui a fait de cette question effectivement son cheval de bataille, comme il en a fait des questions de droits de l'homme de façon générale. Et je suis témoin, naturellement, du fait que effectivement il y a une volonté politique manifeste de traiter correctement ces questions, que ce soit le passif humanitaire, que ce soit la question de l'esclavage, que ce soit la question des rapatriés, etc. Parce que j'avais entretenu quand même des relations et des discussions avec les différents responsables des Nations Unies qui sont concernés par ces questions, comme les responsables du Haut-Commissariat des droits de l'homme, comme les responsables du Haut-Commissariat de HCR, des rapatriés, et comme également les instances du Conseil des droits de l'homme. Et à ce niveau, je suis en mesure de dire effectivement que la Mauritanie passe pour être un pays qui intègre suffisamment la promotion et la protection des droits de l'homme dans ses politiques. D'ailleurs, j'ai appris que à l'occasion de la session qui est encore en cours, la session du Conseil des droits de l'homme qui est en cours, que la rapporteure spéciale sur les formes contemporaines de l'esclavage, qui a visité la Mauritanie à plusieurs reprises, et dont la dernière mission a donné lieu à l'adoption par le gouvernement de la feuille de route de 29 recommandations qu'elle avait formulées, j'ai appris qu'elle a fait un rapport devant le Conseil des droits de l'homme. Elle était satisfaisant. Elle a dit beaucoup de choses positives sur la Mauritanie et sur le gouvernement mauritanien, et en particulier sur la volonté du président de la République. Bonne chose. Monsieur le ministre, la prolifération des particularismes, y compris Haratin, négro-africains, artisans traditionnels, Malmin, si vous voulez, etc., ne constitue pas une véritable menace à l'unité nationale et la cohésion sociale? Bon, écoutez, j'ai tout à l'heure effleuré mon point de vue par rapport à ça. Ouais. Moi, j'estime que dans une société en mutation comme la nôtre, il est tout à fait normal que des groupes ethniques, des groupes catégoriels, des groupes sociaux expriment leurs préoccupations par rapport à leur devenir, par rapport à leur activité et par rapport à leur statut dans la société. Mais ce n'est pas ça le malheur. Ce n'est pas ça le mal, je veux dire. Le mal réside dans le fait de poser ces questions, de poser ces préoccupations en dehors du cadre unitaire, en dehors du cadre citoyen et en dehors de la citoyenneté qui doit nous animer tous en tant que communauté nationale, en tant que communauté nationale qui a le même devenir et qui doit faire de sorte à prendre en charge l'ensemble de ses préoccupations et les intégrer dans le projet commun à tous les Mauritaniens. Je crois qu'en faisant ainsi, on gagnerait à faire de la cohésion, à faire de l'unité et à donc asseoir, jeter les bases d'une vie, d'une communauté nationale suffisamment homogène et capable de trouver des solutions au problème, de trouver des solutions à ces différences. Gérer correctement ces différences, vous voyez. Ce qui est dangereux, c'est de chercher à traiter ces questions en dehors de la communauté nationale, en dehors de la citoyenneté. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, et c'est ça qui risque, en fait, de compromettre l'unité de notre peuple, l'unité nationale, et de compromettre la cohésion sociale
Parce que plus ça se développe en ces termes, dans la séparation, dans la vindicte, dans le sectarisme, dans le particularisme, plus ça crée un climat de méfiance entre les différentes composantes et partant, créer les conditions d'une anarchie. Si voilà, créer les conditions d'un volcan dont les résultats sont incalculables. Voilà. C'est pourquoi moi j'estime, à l'adresse surtout de la presse et à l'adresse des politiques, c'est-à-dire que la liberté au plan politique et au plan de la presse doit être utilisée à bon escient. Elle ne doit pas être utilisée comme moyen donc pour saper l'unité et la cohésion de ce pays. Ouais. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut taire les problèmes que connaît telle ou telle catégorie sociale ou les problèmes que connaît telle ou telle. Très bien, monsieur. Une dernière question. On me fait signe qu'on a dépassé l'heure. Mais une dernière question quand même. Dans quelle mesure la lutte contre les séquelles de l'esclavage pourrait-elle être jumelée à la réalisation d'un projet plus vaste devant contribuer à l'émancipation d'autres catégories et la population qui se disent victimes de stigmatisation et d'injustice? Moi, je pense que c'est un tout. On ne peut pas traiter ces questions séparément. Il faut trouver absolument, si on s'y attelle avec succès, on trouvera de toutes les façons les réglages qui nous permettent d'intégrer l'ensemble des préoccupations, l'ensemble des différences, l'ensemble peut-être des injustices que certaines franges pensent qu'elles subissent. Je crois que tout dépend de la nature de l'approche. Et moi, j'estime que tous ces problèmes-là doivent être traités dans le cadre d'une approche globale de développement socio-économique et culturel du pays, mais de façon singulière, il faudrait traiter les aspects singuliers tels qu'ils doivent être traités. Par exemple, par rapport à Al-Ma'almin. Al-Ma'almin, beaucoup d'entre eux posent leur problème en termes de représentativité au niveau des structures de l'État, au niveau des... Vous voyez. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus important. C'est la valorisation de comment on appelle ça, de l'artisanat traditionnel. L'artisanat traditionnel qui fait travailler des familles et des familles, sa valorisation est extrêmement importante. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes filles qui travaillent dans ce secteur-là. Et si ce secteur-là n'a pas une structure qui le valorise non seulement en tant qu'activité, mais qui le valorise en tant que culture. Le Ma'almin, ils produisent non seulement la culture, mais aussi les moyens de la culture. Très bien. Monsieur le ministre, je suis obligé de vous interrompre, malheureusement. Voilà, chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est la fin de cette émission de Politis. Merci à Monsieur Cheikh Ahmed Zahav, ancien ministre, ancien ambassadeur. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous et à la semaine prochaine. Je vous remercie, moi. Voilà.